Aujourd'hui, je vais te parler des erreurs de débutants en couture que je vois lors de mes ateliers et qui peuvent t'empêcher de progresser. Alors, premièrement, ne pas repasser ces tissus. Ne pas passer par la case repassage et tenter de tracer sur ces tissus froissés. De une, c'est difficile et de deux, ça te fera forcément un résultat final approximatif. Tant que l'on est sur le traçage, une deuxième erreur de débutant en couture, c'est de ne pas prendre le temps de bien tracer, mais surtout de vérifier ce que l'on a fait. Par exemple, quand on coud une trousse et que l'on trace un rectangle, ne pas vérifier à la fin du tracé si on a bien la même hauteur partout. Parce que qui dit rectangle par rectangle à 100% dit trousse par rectangle à 100% non plus. Troisièmement, ne pas utiliser le bon pied presseur et penser que tout passe avec le pied standard. Alors oui, techniquement, tu peux poser une fermeture à glissière avec le pied standard, mais tu n'auras jamais un résultat aussi propre qu'avec le pied presseur spécial pose de fermeture qui te permet de coudre au plus près des dents. Ça prend 2 secondes chrono de changer le pied presseur, alors pense-y. Quatrièmement, s'attaquer à des projets trop difficiles. Je suis du genre à être motivée par des projets qui me plaisent, même s'ils sont difficiles, mais quand on s'attaque à des projets couture vraiment très complexe, on peut aussi se dégoûter. Commence donc par des projets plus faciles pour te faire la main. Tu peux d'ailleurs retrouver ma vidéo 15 projets couture faciles pour débuter si tu ne sais pas par où commencer. Cinquième erreur que je vois souvent, c'est de ne pas défaire quand c'est raté. Prendre le mauvais pli, de ne pas découdre quand une étape est ratée, c'est se retrouver avec un projet fini, forcément approximatif, car un petit défaut, plus un petit défaut, plus un petit défaut, bon, tu vois que ce que ça peut donner à la fin. Sixième erreur, acheter du fil pas cher. Qui dit pas cher dit souvent de mauvaise qualité. Le fil se casse plus souvent par exemple, bourre dans la machine et tu ne comprends pas ce que tu ne fais pas correctement, alors que ça vient peut-être simplement de la qualité de ton fil. Donc pour une fois que l'on peut blâmer le matériel, on ne doit quand même pas s'en priver. Septième erreur, ne pas faire de pause quand rien ne va plus. Il y a des jours où, quel que soit notre niveau en couture, on n'a juste pas le mojo. On défait une fois, une deuxième, et c'est encore raté, et on s'agace, alors ça va encore moins. Le conseil que te donneront tous les couturiers raisonnables, c'est de faire une pause. Tu laisses tout et tu fais autre chose, tu y reviens quelques heures plus tard ou carrément le lendemain, et tu verras que ça ira tout seul, sans rien faire. Huitième erreur, ne pas toucher à la tension du fil sur sa machine. Alors, selon l'épaisseur des tissus que tu vas coudre, tu vas devoir changer la tension du fil pour avoir de beaux points. L'erreur est de ne pas faire de test sur les mêmes tissus que tu vas utiliser et sur la même épaisseur. Donc, tu prends des chutes, tu les mets en sandwich comme ils le seront dans ton ouvrage final et tu joues avec la molette de tension du fil jusqu'à avoir de beaux points. Je te ferai d'ailleurs sûrement une vidéo dédiée à ce réglage, donc n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter dont le lien est dans la description pour ne pas la manquer. Et si tu vois d'autres erreurs de débutants machines à ajouter, n'hésite pas à laisser un commentaire car cela aidera sûrement d'autres personnes à progresser et je pourrais potentiellement en faire une vidéo. Tu peux aussi me laisser un petit mot pour le plaisir parce que j'adore vous lire. À bientôt!